balles. Salut YouTube, c'est Samy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mission avec une arme. Aujourd'hui on est avec le SKS, parce qu'il y a quelques semaines il y a eu une mise à jour sur le son du SKS. Je voulais en faire une vidéo, j'ai pas eu trop le temps, donc je vais faire en mission avec le SKS et comme ça on va pouvoir profiter du nouveau son. Là Bohémia ils ont fait quand même du sale boulot, le son il est magnifique les gars. C'est un bonheur pour les oreilles. J'ai déjà les deux SKS, j'en ai un avec un PU pour le long range et j'en ai un autre à la mire pour tout ce qui est combat rapproché. Et on va essayer de trouver du monde, s'attirer vers l'airfield. Pour la mission avec le SKS, franchement, je pense que ça va bien se passer. Parce que c'est une très très bonne arme. Elle est sous-cotée, je pense. En fait, ce qui fait peur, c'est que ses points faibles, elle a que 10 balles dans le chargeur. Et c'est pas une arme en full automatique. Donc par rapport à une AKM chargeur tambour ou une M4 chargeur 60 balles, forcément, les gens préfèrent arracher avec 60 balles. Mais le SKS tape très fort. Mais c'est que, voilà, c'est du coup par coup. Faut pas non plus trop tirer à côté, parce qu'on est vite à court de balles. Sinon, par contre, elle tape très très fort. Donc franchement, bonne petite arme. Je pense que ça devrait plutôt bien se passer. Et du coup je disais, ouais, en parlant du serveur, du coup je suis sur The Saviors, mais là je suis sur le serveur 3PP. Et du coup c'est vrai que je suis pas très très fan d'aller dans tout ce qui est airfield, parce que dès que c'est la TC ou même VMC, ça campe pas mal avec le 3PP. C'est en plein milieu de la piste ça, non? Non, j'espère que c'est pas TC. Oh, c'est TC ça. Oh non. Oh! Putain, il m'a fait flipper ce con. Je me suis pris la balle dans la vraie vie. Oh, j'ai fait caca culotte. J'étais en train de me remettre le casque. On a un petit nerveux qui campe dans la TC en 3PP. C'est pas du tout ce que j'avais prédit juste avant d'arriver à l'airfield, c'est ça qui est bien. Il est assez original. Attends, mais il y a un mec TC, il y a un mec zone indus en fait. Attends, mais... ...100% il y a un mec là-haut. Terminé. Terminé. Allez hop. Samy, dodo. Samy, c'est dodo. Ah, le 3PP, c'est infernal. Ok, ah merde, j'avais déco. Lololololol, je suis full stuff. Bon, je me suis co sur le serveur 1PP, c'est, y a, en vrai, il est pas full, mais ça devrait le faire. Oh, oh mais c'est fou. Oh la vicre. Ça dégage, hein. Ah, attends. Ça fait mal au cœur de la chaîne AKM silencieuse. Du coup j'ai le premier SKS, parfait. Maintenant il faudrait juste que je retrouve un deuxième avec un petit PU. Et là je serais bien. Oh, ça c'est pas bon ça encore. Ça c'est encore pas bon cette histoire. Ça claque comme ça, ça a claqué qu'une fois. Ah, ça a pété. Allez, je te vois. Attends, des petites balles. Je sais pas avec quoi il me tire. Une balle. Il est inconscient. Ouais. Avec un CR-527. Je te prends ça et ça. Oh, ça, ça me plaît aussi. Ok. Nickel. Je vais pas trop traîner ici. On va se barrer. Ah, le bruit de l'arme les gars. C'est une masterclass. Ils avaient déjà retravaillé à l'époque le son des armes. Ils avaient fait déjà un sacré boulot.
Mais là, s'il retravaille encore pour encore améliorer et donner encore plus d'âme à l'arme. Oh là, c'est difficile à dire ça. De plus d'âme à l'arme. Mais franchement, je suis preneur hein, parce que c'est une petite masterclass, ça résonne et tout. Même avec un petit silencieux, je vais vous montrer. Le bruit que ça fait. Oh là 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 là, c'est exceptionnel. Hein. On s'attire vers Starry, mais je vais essayer d'aller un peu plus dans le nord. En ce moment, je tourne vachement Starry Novi, Airfield, VMC, tout ça, ça. Je tourne un peu par là en ce moment, je vais essayer de changer un peu. Là, je vais faire Airfield, Tizi, tout ça par le nord, histoire de changer un petit peu, quoi. Oh, mec, un petit tir à Tizi, incroyable. Oh, j'arrive. C'est encore dans les tentes, hein. J'ai un peu peur que ce soit des tirs d'aggro. Imagine le mec il est dans l'arbre. Il fait des petits tirs d'aggro. Oula. Oulala. Là il y a deux garçons là. Il y a une balle de 308 qui a été lâchée avec les balles d'AK. Bon, c'est pas bon ça non. Il va quand même pas retourner sur les côtes le Samy. C'est quoi ce bordel gros? Ok, je vois un mec viser là-bas. Ok, on est dans un fight en fait. Là, je suis en plein dans un fight d'Antizi dans les tentes. J'ai vu un gars viser en bas de l'arbre. Dans les tas de sable. Le gars que j'ai vu, il avait un sac rouge de randonnée. Et je vois un Z qui a aggro là-bas. Juste devant moi. Y'a un autre mec. Ah. J'ai mis KO les deux. Merde. Un mort. Deux morts. Oh là là, c'était chaud mon gars. Donc je back 2 minutes. Laissez-moi 30 secondes s'il vous plaît, je reviens. Je sais pas, il en reste peut-être d'autres. Hein. Non, c'est fou quand même. Je dis que je veux un fight à Tizi. Il y a un énorme fight. Moi, je l'ai vu passer par ici, premier. Je suis obligé de retourner là où j'ai fight. Histoire de voir si je vois pas le sac rouge. Est-ce qu'ils l'ont peut-être tué? Peut-être risqué, mais en même temps, j'ai pas trop le choix. Donc ça, c'est celui que j'ai tué, pas sac rouge. Ok. Ah putain, c'est chaud. Ça, c'est le deuxième que j'ai tué. Pas sac rouge. Bon déjà moi je l'ai pas eu. J'avais cru voir un mec mort. Je pense qu'il en reste encore un. Ok, vite. Je l'ai vu sous l'arbre. Je crois qu'il m'a vu aussi hein.
Les Z, je suis dans la merde. Oh, on s'est entretué, non? Oh non, je l'ai pas eu, putain. Oh, j'ai trop le seum. Oh, j'ai trop le seum. Mais en plus, ils étaient deux, du coup. Ah, dommage. Je pense qu'ils étaient encore deux, du coup. Il y avait des brassards orange. C'est pas le même. Moi, pour moi, le gars que j'ai vu, il est descendu dans les tentes. Ça, c'était son pote. Ah, c'est dommage, les Z, ils m'ont fait un peu chier. Je serais pas passé par là. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais reprendre demain. Ok, les gars, c'est parti pour le deuxième jour. J'ai trouvé un petit SKS, là, Staroy. On va essayer de faire mieux que le premier. Je me suis fait un peu plier, hein, pour le premier jour. On va essayer de rattraper ça pour le deuxième, hein. Ça, c'est vers Starry, hein. Ça doit être dans le... Juste au-dessus des tentes. Ça, c'est... C'est où, ça? Peut-être vers l'étang, là. Il y a un petit fossé à la sortie de la ville. Bon, je suis SKS à la mire, je vais devoir rentrer dans la ville. J'ai l'impression que ça tire par là, vers la maison double étage rouge. Il a fait un kilo mosine, le gars. Un petit tir de M4. Aïe 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 aïe. C'est en train de se compliquer là. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait quoi le Tintin là? J'en ai tué un. J'ai eu un shoot approximatif. Comme j'ai dit avec le SKS, faut pas trop s'amuser à avoir un shoot de merde. Parce que t'arrives vite à court de balles, bon c'est pas lui hein. Je crois pas. Ah, y'en a un deuxième là. Par contre, comme je vous ai dit, ça tape. Pionnier, c'est peut-être lui, hein. Là, lui, je lui ai mis un one tap. Oh là là, c'est chaud, je peux pas trop loot. Oh. Vite. Je pense à ça, je me casse vite. Il a un pompe. Une M4. Oh oui, ça, je prends. Ouais, je me casse. Ça fait peur, ça c'est lui, hein. c'est le gars au mosine ça. J'arrive le joke. Ok, ça s'arrache vers VMC, ok, y'a Davy, j'aime bien. Oh, ça nade et tout, oh oui, ça a l'air d'être très très chaud ce soir. Il est devant moi. Ça c'est mon petit... Double balle. Ça, c'est mon petit Joker. Bon, ça va, Joker. C'est même pas Joker. Oh là là. Dis-moi pas qu'il y en a un autre. Là, ça commence à sentir une odeur que j'aime pas trop. Bon, je vais essayer de retourner sur le corps, mais je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. J'allais dire, j'ai un mauvais pressentiment. Ça n'arrête pas cette histoire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, ça c'est le pote. Là, il y a un mec qui vient de tuer, c'est le pote de celui que j'ai tué. Le mec est mort là. Ok, le gars devant moi. C'est un putain de Bambi.
Je vais tuer un. C'est un bordel, c'est quoi le monde qu'il y a? Oh là 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 là, mais chiant. Y'a un mec devant moi. Ok, je l'ai eu, il m'a mis KO. Donc ça c'est le pote. C'est le pote de l'autre qui a fait un kill à la lar. Je suis vie quoi? Blanc cassé. Oh s'il te plaît, s'il te plaît. Je me relaxe vite. Je l'ai tué où? Il est mort où? Il est mort là. Il a bien la lar. Oh, il a rien, il a juste une lar en fait. Pff, ça tire au-dessus, c'est quoi ce bordel? Mec, des fois je comprends pas. Il y a des moments, t'as des soirées. Il se passe rien. Il y a des moments, t'as l'impression que c'est un deathmatch le truc. Tout le monde est là. Oh non. Oh non, il y a un problème serveur. Ça me déco ça, non? Oh merde. Oh le retour de... Oh le retour de Zinzin. Ah, mais c'est du vol. Monsieur l'arbitre. Retour, reçu enseignement. Mon SKS, il a disparu. Mais comment ça le retour? Comment ça ce retour de fou? Et lui, il a sa lar, mais quoi? Pourquoi j'ai plus mon SKS? De toute façon, j'ai fait table là où j'ai spawn. Hein. Oh, c'est honteux! C'est honteux! Bon, je vais essayer de trouver un SKS vite fait dans les tentes. Hein. Putain, y a pas de SKS. Oh non, mais là, ça me ruine, là. En plus, du coup, je me tape les Z. Oh non, mais gros. Oh, je suis coincé. C'est un enfer. C'est un enfer. Je suis vie jaune. Oh là là, comment. Oh, comment descendre dans l'enfer. Oh non, j'étais trop bien. Putain, l'ascenseur émotionnel, j'étais en plein dans l'action, il y a un crash, ça casse tout, je perds mon SKS, du coup la mission elle est en train de se faire abattre. Là je suis dans la sauce là. En plus il y a des aides partout, c'est un enfer. Le mec vient de faire un kill en haut. Là, je me sens pas du tout serein avec cette histoire. Un SKS? Non, mais. Non, mais alors, ça, c'est quand même un truc de zinzin, quand même. Oh la masterclass! Non, mais j'ai l'impression que c'est scripté, c'est pas possible. Non, mais n'importe quoi! On est reparti. Attends, parce que du coup par contre ça m'a mis dans un mood un peu bizarre. Je suis un peu en panique en fait là. Je suis dans un mood, je suis pas serein en fait. Bon, je trouve pas le mec, je vais me barrer de là. J'ai trouvé un SKS, je me casse d'ici. Mais il y a... Mais je lui ai mis 2 balles. Non les gars, j'ai potato. Oh non. Je lui en ai mis 2, il tombe pas inconscient. Ah, j'ai le seum de ouf. Oh, j'ai chié les 2 autres balles après. Oh, je touche la première, je touche la deuxième. Je suis dégoûté, je suis dévasté. En plus, c'est le gars qui a tiré à la winch. Depuis tout à l'heure, il est sur le corps du gars qui l'a tué. Je suis dégoûté, je suis dévasté.
Ça m'a sorti de ma game. Ça m'a sorti de ma game, le crash. C'est la fin de la vidéo. Les gars, n'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire et de vous abonner si vous avez kiffé. Je vous ai fait un petit classement avec un Excel, c'est pas très joli, mais avec tout le nombre d'armes qu'il va y avoir sur Days, ça sera plus simple. Et du coup, le classement, il est en fonction du KD et non des kills. Parce que même si je suis sur un serveur full PVP ou que je m'arrache et tout ça, je veux garder quand même un petit principe de Days qui est un jeu de survie. Donc l'objectif, c'est de pas trop mourir. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Samy. Ciao.